Tout ce qui entoure la vie de femme t'intéresse, tout ce qui entoure ta vie t'intéresse. Alors t'es tombé sur la bonne chaîne, Gracia Lifestyle. Retrouve-moi un peu tous les jours pour voir tout ce qui entoure la vie d'une femme. N'oublie pas non plus de t'abonner sur mon Instagram et aussi sur ma seconde chaîne, Gracia Manucure. Et je te remercie aussi de partager autour de toi. Coucou mes mamours et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Aujourd'hui, j'espère que vous allez être vraiment contentes et motivées avec moi dans ma cuisine pour passer du temps ensemble. Alors, après avoir rangé ma petite vaisselle, ici, je sais que vous aimez absolument les vidéos de cuisine. Je sais que vous me le demandez souvent en commentaire. Et d'ailleurs, merci à toutes celles, à tous ceux qui aiment les vidéos de Gracia Lifestyle. Je vous en remercie. Le nombre d'abonnés, on évolue d'une vitesse de fou. Je suis vraiment étonnée parce que ça fait 1 an que cette chaîne existe et je pensais pas que ça allait augmenter aussi vite. Et je comprends vraiment beaucoup mieux ce que vous avez besoin de voir maintenant. Donc, on va se mettre dans le lot ici. Je vais vous préparer le plat de ce soir qu'on va manger avec les enfants, avec ma famille. Je vais faire du pondou. On va encore refaire du pondou, toujours de la même façon, sauf qu'ici, je vais utiliser le Thompson comme accompagnement. Et je vais faire ça donc avec du plichard. Vous verrez ça dans la suite. Pendant que je décortique le Thompson, parce que c'est ça qu'on va manger, c'est le poisson du vendredi, là, c'était le vendredi qu'on mange le poisson. Eh ben le Thompson, mes amis, mes mamours, pour celles qui connaissent bien cette nourriture, parce que voilà, je prépare beaucoup congolais, je suis congolaise, je tiens à le dire souvent parce qu'on me demande de quelle origine tu es, je suis congolaise. Ici, le Thompson, c'est l'un des poissons les meilleurs que j'adore manger, que mon mari adore manger ça mais c'est l'un des poissons les plus difficiles à décortiquer, c'est-à-dire à enlever vraiment, vraiment tout ce qu'il y a enlevé dedans. C'est-à-dire, encore une fois de plus, toutes les veines noires qui restent. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vraiment ça, ça peut prendre du temps. Ici, alors, j'ai coupé, bien sûr, mes deux Thompson. C'est des grands Thompson, ceux-là, franchement. Ils viennent de Norvège, pour ceux qui voudraient savoir d'où ça vient de Norvège. C'est des vrais Thompson, là. Et donc, j'ai coupé ça en 3 parties. La tête, le corps et la queue du poisson. Comme une vraie Congolaise. Voilà. Bon, après, c'est pas congolais de couper cette sorte-là, mais c'est juste que pendant que j'enregistre ma voix, j'ai pensé à ça. Alors...
Ici, je vais prendre les épices que je vais épicer mon Thompson parce que y a chacun sa façon. C'est un poisson qui est très facile à épicer. Donc, c'est pas un poisson qui est difficile à faire rentrer du goût dedans. Le Thompson, tu peux juste mettre du sel et c'est terminé. Tu le fais frire. Ici, moi, je vais faire tout un truc parce que voilà, c'est vendredi soir. On veut bien manger, on veut sentir le goût un peu plus différemment. Si tu veux savoir tout ce que j'ai mis en ingrédients, retourne en arrière sur la vidéo. Tu fais une pause et tu regardes. C'est des épices basiques. Alors, de tête comme ça, j'ai mis seulement 2 bouillons de cube magie parce que le cube magie, c'est top. Un peu de sel parce que de toute façon, ça relève toujours un peu de goût, le sel. Du végéta qui est une épice où il y a plusieurs épices dedans, dont des petites carottes séchées, des oignons, des poireaux. Il y a un peu de tout dans le végéta. J'ai mis du gingembre aussi. C'est du gingembre avec de l'ail mélangé déjà écrasé dedans. Ce sont des marques que vous trouverez dans des alimentations exotiques. Hein. N'importe où dans le monde, vous le trouverez, ce type d'épices là que je vous ai mis en vidéo. Aussi, j'ai mis du jus de citron. Voilà, du jus de citron, on peut prendre. L'idéal, c'est de faire avec un demi-citron, un vrai citron. Moi, j'ai mis ici jus de citron, voilà, industriel. Hein. Après, il y a des gens qui mangent pas, qui mettent pas de jus de citron dans le poisson. Moi, je mets toujours du jus de citron dans le poisson et un peu de basilic, voilà. Alors, ici, je vous ai montré les légumes que je vais mixer. Je vais faire le pondu. Le pondu, si tu n'as pas encore vu, vas-y, tu cliques sur le i, là où j'avais laissé la photo tout à l'heure en vidéo, ou tu vas voir tout simplement en barre de description, en barre d'infos, tu verras le lien de comment je prépare le pondu pour tout le monde. Ça, c'est le pondu que j'avais préparé avant, c'est le pondu basique. J'ai mis de la sardine. Dans le pondu, tu peux mettre n'importe quel poisson que tu veux. De préférence des misiamai en français, comment je peux dire ça, ce sont des poissons de mer, donc comme ici le Thompson, tu peux mettre des sardines, vous voyez, ce sont vraiment des poissons de mer comme ça. Moi, je vais mettre dans mon pondu cette fois-ci du plichard et non du Thompson parce que je vais accompagner le Thompson. Aussi, si tu veux mettre du Thompson dans ton pondu et le manger avec du Thompson, c'est tout aussi bien. Voilà, comme ça, tu as le frit et tu as celui qui a été mijoté avec les légumes. Le Thompson est un poisson qui vraiment arrange la nourriture, arrange les légumes, arrange le pondu ici particulièrement. Dans mes légumes, donc dans mon pondu, je vais mettre 3 oignons parce que je vais faire un grand pondu quand même. J'ai pris, je pense, 2 sachets de pondu, pondu KBA, que je mettrai donc 3 oignons, du poireau. Je mettrai aussi des courgettes et je pense que c'est tout. Ah, et je vais mettre aussi une aubergine. Bien sûr, j'ai tout coupé au préalable avant de le mettre au congèle parce que comme ça, j'ai mon surgelé à la maison et je n'achète pas que du surgelé en supermarché. Ici à l'étape de cette préparation, maintenant les légumes, les amis, les légumes, soit tu les mixes, soit tu les mixes pas. Le pondu n'est pas obligé d'avoir des légumes mixés. Tu peux mettre le poireau tel qu'il est, c'est-à-dire coupé en lamelles ou très 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 mixé. Tout dépend de ta préparation. Le pondu, en fait, c'est les feuilles de manioc, c'est le légume de base. Maintenant, ce qui est complète, c'est les légumes que tu vas mettre dedans pour voir la texture que tu veux obtenir à la fin. Si tu veux que ton pondu n'ait pas trop de grumeaux, n'ait pas trop de légumes durs, croquants,
Tu mixes tes légumes, donc tu mixes tes aubergines comme j'ai fait avec les courgettes, tu les mixes, comme ça t'as pas des gros morceaux en bouche lorsque tu les dégusteras. Voilà, moi de toute façon j'avais déjà à l'avance les légumes coupés en dés et ensuite j'ai mixé quasiment presque tous mes légumes. Vous avez vu que j'ai mis 2 cubes de bouillon Knorr et j'ai rajouté encore 2 cubes de magie dans ma préparation pour le pondu. Tout simplement pour relever le goût des légumes. C'est très important de relever le goût des légumes. Hein. Voilà, c'est pas nécessaire de trop saler, mais au fur et à mesure de la préparation, n'hésitez pas. Hein. De goûter au fur et à mesure de la préparation, c'est-à-dire que moi ma préparation à moi de mon pondu a duré 2 heures. Hein. J'ai pris mon temps pour faire mon pondu. Après, il y a des gens qui préfèrent le cuisiner en 1h45, tout dépend de la texture que tu veux obtenir en bouche. Mais moi j'aime que le pondu prenne du temps. Alors, je rajoute, comment on appelle ça, l'huile de palme, mon Dieu, l'huile de palme, voilà, c'est ce que j'ai rajouté et je vais rajouter par la suite le plichard. Malheureusement, ma caméra m'a lâché au moment où j'ai rajouté le plichard. Le plichard, je l'ai décortiqué aussi, hein. Je l'ai bien écrasé dans un bol que j'ai rajouté à la préparation. Alors, ma technique à moi, c'est que je tourne le pondu seulement lorsque l'eau commence à bouillir, pas avant. Je laisse d'abord ça comme ça, je jette mes légumes comme ça, je ne les mélange pas. Et ensuite, j'attends que l'eau commence à bouillir. Mais l'eau, je la mets juste après avoir mis mes légumes. Donc, c'est-à-dire que j'attends une 20aine de minutes avant que Mainanga et Toka, pour les lingalophones, avant que l'eau bouille pour les francophones. Parce qu'on m'a dit que ça serait bien que tu parles aussi de temps en temps en lingala et ça la rappelle bien. Mais il y a beaucoup de chaînes lingalophones, si vous voulez aller vous abonner aussi à ces chaînes-là. Mais j'espère, s'il y a beaucoup plus de sollicitations lingalophones, je ferai certaines vidéos dans ma cuisine en lingala sans problème, les filles, sans problème. Alors, lorsque j'ai fini et que mon pondu, il est en train de kotoka. Kotoka en français, c'est-à-dire il est en train de bouillir. Ezotoka. Voilà. Je suis en train d'essuyer tout mon plan de travail. Comme ça, je suis tranquille après. C'est le conseil qu'on nous donne tout le temps. Lorsque tu cuisines pour gagner du temps, pour pas être fatigué juste après, nettoie ton plan de travail directement. T'as moins de vaisselle. T'es moins prise, là, je nettoie mon plan de travail, j'ai de la musique en fond, les enfants font du bruit dans l'autre pièce et je suis au téléphone, certainement avec mon mari durant sa pause. Ou bien je suis en train d'écouter un podcast, mais c'est vraiment ça qui m'occupe pour que je n'ai pas la flemme de le faire après en fait. Hein, voilà. Après, tout dépend de ton temps, tout dépend de ton humeur aussi pendant la préparation. Mais c'est important de garder ton plan de travail vraiment, comme je dis toujours, optimal, que ce soit vraiment fonctionnel. Comme ça, tu es tranquille et c'est beaucoup plus agréable, bien sûr. Alors là, maintenant, je vais passer à la cuisson des Thompson. Et ensuite, normalement, à côté, il y a l'eau de la semoule qui est en train de bouillir. Mais malheureusement, ma caméra n'a pas pu être chargée au moment où j'ai préparé la semoule. Mais si tu veux voir une vidéo de la semoule, ma chérie, comment faire la semoule, je sais que c'est votre vidéo préférée chez Gracia Lifestyle pour la plupart sur Gracia Lifestyle. Ils se sont abonnés à cause de cette vidéo-là. Vas-y, clique sur le i et tu vas voir comment on fait la semoule. Si tu vois pas le i, tu regardes en barre d'infos, en barre d'informations, en description, tu verras comment on prépare la semoule. C'est très 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 facile. Don't wanna be alone anymore.
Et voilà, la bonne blague, c'est que ma caméra a juste repris au moment où les enfants ont déjà commencé tout doucement à terminer leur plat. Donc je n'ai pas pu filmer le dressage du plat, mais comme d'habitude, hein, ça c'est de la nourriture bio, ce sont des choses à faire consommer nos enfants. Pour ceux qui aimeraient bien adapter cette nourriture-là, je conseillerais et je vous encouragerais de faire manger vos enfants de la nourriture bio de chez nous. La nourriture africaine est une nourriture riche et donc allez-y, adaptez-les-moi, ils mangent comme ça depuis qu'ils sont nés. Donc c'est vraiment bon, ça leur fait du bien et ça donne beaucoup d'énergie et c'est très bon, c'est très très bon. Et j'espère que tu as aimé le moment qu'on a passé ensemble dans ma cuisine. J'espère que ça t'a donné envie de préparer à manger, de préparer ce plat-là aussi particulièrement. Je te retrouve déjà jeudi.